Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on est en Espagne, à Denia, avec mes potes. Alors c'est une occasion en or pour se challenger. Et si on réussit pas le challenge, on se mange un gage que personne n'a envie de faire. Le concept est simple, je suis tout seul face à E4. Tout au long de cette vidéo, on va se proposer des sauts à faire. Si je ne réussis pas leur défi, je devrais piocher un papier jaune dans lequel il y a écrit un gage. Et vice versa, s'ils ne réussissent pas mon challenge, ça sera à eux de piocher dans cette fameuse boîte pour choper un gage. Le genre de gage qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Y'a un gage qui est cool, c'est manger une part de gâteau. Après derrière, par exemple, y'a... Ok, bon celui-là il est pas ouf. Ah voilà, bah manger un piment rouge. Passé. Se débrouiller pour gagner 10€. Ou par exemple, l'escalope, c'est-à-dire en gros faire un gros plat dans l'eau. Et puis ensuite, bah tu te roules dans le sable, un truc qu'on a pas envie de faire. Ça s'annonce être marrant, et je dirais même parfois surprenant. Vous voulez pas vous donner un nom d'équipe? La Familia. Mais du coup moi je suis pas dans la famille. Ah non, t'es malade. Ah non, je suis un malade. Je vous le dis, alors on va commencer crescendo. On va y aller tranquille d'abord. Je suis totalement froid. J'ai juste fait des shitgunners pour faire l'intro. C'est tout. Et petit à petit, on va level up. Bah du coup, je lance un petit défi. À voir si je le réussis ou pas. Et après, vous concertez sur qui va réaliser le défi entre vous. Et Noémie qui est derrière la caméra, bien sûr. Donc là, chapresse stick. C'est un petit chapresse. Tranquille, mais ça part. Let's go. Un peu dégueu. Alors qui se dévoue là? À votre avis, qui peut faire ce okay. Chapresse? Déjà Marine, non. Je pense que c'est l'un d'entre nous. Ouais, et... moi c'est, je peux faire que ça vu que je suis blessé, donc je prends ce défi, c'est bon. Je t'en supplie, prends-le. Vas-y, allez. Allez, ok, let's go. C'est Rémi qui s'envoie. Il doit surtout pas faire une talonnade, sinon c'est la mort. Pas bon. Talon cassé dans le vide. Vous comptez? Moi je compte. Et pour moi, l'instant où tes pieds ils restent collés sur le mur, c'est un stick. Même si c'est dégueulasse, c'est un stick. Qu'est-ce que tu proposes? Je peux pas faire trop de dingueries. Bon, ça sera vite fait, tu vas le réussir, mais. Vas-y, de toute façon, c'est un échauffement. Non, main droite, main gauche, main droite. Je suis pas obligé de faire main gauche, main droite. Bah si, tu vas sauter, main gauche, main droite. C'est pas mon sens. Je Prochain défi, chapresse, Lio, pop front. Faut déjà que j'y arrive en fait. Bon, ouais, mais il fait chier en vrai, je suis là. En vrai, je vais pas l'avoir, c'est sûr et certain. Vous allez bouffer un truc les gars. Tu le penses? Du coup c'est Alex qui se propose pour l'équipe La Familia. Je vais vraiment pas l'avoir. Imagine qu'un side flip ça compte pas. Non, j'ai dit un front. Mais tu vas voir qu'à l'instinct c'est easy. Franchement crois-y, j'ai... Ça va. Oh, ça va? Est-ce que ça compte ou pas? Je le valide de fou. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur ton genou là? Bah j'ai glissé dans la boue. Ah ouais? Oh, vraiment ici. Oh ah my ouais. God, la trace. Je suis resté groupé jusqu'à que je touche le sol. Oh là là. J'ai honte. Moi je pensais que ça y est, que vous avez filé un gage. Mais en fait non. La commu parcours va être contre moi là. Non non mais non mais c'est bon, je valide. C'est confirmé, c'est validé, c'est à moi de décider. Je crois que la prochaine fois je vais dire par contre pas de main au sol. Ah, j'ai pas mis la main, j'ai mis les deux genoux. Les deux genoux et la tête aussi. C'est Marine qui me lance un défi et Marine est du genre à mettre ses pieds derrière la tête. C'est un squelette compliqué pour moi. J'ai pas le droit de mettre des trucs dessous. Bah en fait t'as pas le droit de mettre des trucs que physiquement je suis incapable de faire. Ça c'est non ça. Tu peux essayer hein, déjà, tu vois. Bon, c'est non. Par contre, tu peux faire des trucs de chewing-gum, ça, tu sais très bien faire. Nice. La roue elle me fait chier d'expérience personnelle à relater. J'ai déjà fait une roue sur un mur qui faisait exactement cette taille de largeur. Et j'ai juste mon tibia qui est passé sur ce côté là, qui a juste touché le mur. Et j'ai eu un trou dans la jambe ici, j'ai encore la cicatrice pendant plusieurs mois, j'ai eu deux points de suture. Et alors maintenant bon courage. Merci, ça me rassure. Question Marine, le 3-6 il est obligé d'être dans ton sens? Oui, tout pareil. On va la voir. Le prochain défi que je vais lancer, ça va être un double saut de chat instinct. Oh le chacal. Et bien sûr, il n'y a que Rémi qui peut se jeter là-dessus, je pense. Parce que Noémie a les poignets pétés, puis même c'est pas son truc. Alexandre qui fait pas d'instinct. Donc il n'y a que Rémi qui peut s'engager. Ah non, ça va être chaud ça. J'annonce, je l'ai pas encore fait. Ouais, si c'est first try, il y a peu de chances que je réussisse. Le first try aussi, il me dérange. En plus, il y a deux vides. On va se prendre un défi là. Et puis en toucher. Je vais retenter si jamais voilà, il aura deux essais. Ça te permet d'avoir une prep. Non, je me sens pas bien. Ça, c'est le défi de Rémi. C'est pas que les mains glissent, c'est peur de me taper les tibias surtout, je pense. Je vais essayer, on va voir si ça va. Je rappelle qu'il a un talon cassé, il s'est cassé le talon il y a 2 mois et demi. Ça, c'est quand même un sacré défi. Ok, voilà ma première prep. Concentre-toi. C'est horrible, j'ai pas du tout envie de faire ça. C'est un défi horrible, c'est vrai. Ah,
Ah putain, quel dommage. Oh, allez, allez. Non. Allez. Ça annonce un petit gage. Pour sa défense, là, il y a un petit vide ici qui fait peur. Et quand tu fais un handstand, t'as pas envie de tomber vers l'avant. C'est le pire truc. De près pour faire ça, alors que tu l'as jamais fait ta vie, c'est impossible. Comme Rémi n'a pas réussi mon défi, je vais tirer au hasard un papier vert pour désigner quel membre de la familia devra faire le gage. Alors là, en fait, je vais tirer sur un prénom. Mais Rémi a perdu, à cause de lui, quelqu'un va se manger un gage. Grâce à lui. Parce que peut-être que grâce à lui, la personne va manger un gâteau. Prends celui-là. Attention. Tu auras un gage. Oh putain. T'as joué pour toi-même. C'est Rémus qui va se manger le défi. Au moins, ça me soulage que ce soit moi déjà. Là, c'est à toi de piocher. Celui-là. 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 Ni l'autre. Boire un café en costume Spider-Man. Oh, ouais, ouais. Ça me fait ni chaud ni froid de faire ça quand même. J'ai envie de dire, j'ai pas non plus envie de le faire, tu vois. Je vais le faire. Mais... C'est vraiment comme si de rien n'était, genre. Il va boire tout seul. Il a pas les yeux en face des trous. Bon, il y a un prochain défi, il y a Alex qui va me proposer quelque chose à faire. Regardez, on a des tortues, mais surtout de l'eau. On va essayer de faire un stick sur la barre face à l'eau. Oh. Un stick bar water challenge. Si je foire, je tombe dans les tortues et dans l'eau. Dégueu. Olé. Non. Oh, j'ai failli tomber. Gros. Ah, je suis content. Je risque de me taper un gage. Eh, mais c'est vraiment une tortue. Une torture. Enfin, bon. Enfin, bref. T'as fait une sacrée pointe. Je stick jamais faire try des sauts déjà, c'est rare. J'ai pas les bonnes chaussures. Ça glisse un peu, non? Non. J'ai peur. La peur n'évite pas le danger. Let's go. J'ai un gage. Je le refais pour le plaisir, mais j'ai le gage. Yes, vengeance. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Non, c'est bon. Tiens, j'ai failli tomber dans l'eau. Oh, je me suis vite tombé dans l'eau, vraiment. Oh, j'ai eu peur. Bah, j'ai un gage. Bravo, Alex. Trop facile, le jeu. Facile, le jeu, facile. Ah non, j'ai un gage. Je regarde pas. Hop là. J'espère manger un gâteau. C'est un peu chiant. C'est l'escalope. Il est temps pour moi de faire ce qu'on appelle l'escalope, c'est-à-dire faire un gros plat dans la mer qui est froide parce qu'on est en janvier. Aller directement dans le sable, mettre dans la panure et rouler comme un Tinder. Eh ben, c'était une belle escalope panée, ça. Elle est gelée. J'ai plus mes articulations. Gage de escalope validé. Prochain défi. Bon, on dirait que c'est à moi de proposer le défi. Le chabra de là au mur qu'il y a tout en haut. Donc le mur le plus haut, bien sûr. C'est toi qui vas réaliser le défi. Faudra se concerter, mais je sens venir là. Faut déjà que j'y arrive. Parce ça va. Le mur est très haut. J'ai mes orteils en PLS. Je vais faire de mon mieux. Attends, tiens, tu vas tellement le faire easy, ça. Je suis même pas sûr. Allez, let's go. J'ai réussi. Je me suis fumé l'orteil, mais j'ai réussi. Qui va le faire? Concertation. C'est Alexandre qui le fait. Ça a été rapide. Tu as toute la pression de ton équipe sur les épaules. La pression, je la bois, je la subis pas. C'est faux, je vais rater, pourquoi je dis ça? Oh, je vais jamais l'avoir. Tu vas l'avoir? C'est horrible, genre vraiment le chaperon, je le fais ici, donc même si je tends les bras. Why you don't try just to jump here, like this? And then, just jump here. Oh, 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 oh. Just jump here. Oh, 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 okay. Are you okay? Yes, yes, okay. For sure? Yes, I planned. Shit. What happened? It's okay? Because I'm very sleepy. Are you okay? Yes, yes, I'm here. But... Yeah, I'm pretty okay. Je l'ai. Elle est pas bonne cette journée, elle est pas bonne. Non, fais pas la même. J'aime pas cette journée. Comment te mettre dans un mood compliqué? Aïe, aïe, aïe. Oh, ça va, gros? Oh, oh, ça va, gros? Tout va bien. What's up? My fire. Yeah. Putain. Il a le droit à deux essais ou... Bah je l'autorise un deuxième essai, par contre il y a un gage. Bah non, enfin, il a perdu. Ouais, il a perdu, perdu quoi. Oui, donc t'autorises pas de deux essais. Du coup j'autorise pas vraiment. Voilà. Tu vois, je suis une grosse merde, ok? Déjà, non. Pitié, pas moi, pitié. Oh, si c'est moi, pitié le gâteau. Je déteste le hasard. La part de gâteau. Non, non, mais là c'est un prénom en fait. C'est moi. Oh non. Je suis désolé, Rémi. Je sais pas, je mélange, je sais pas. Pitié que ce soit pas manger un œuf cru. Il y a pas à manger un œuf cru. On l'a pas mis finalement. Épilation. Ouais. Ça fait mal. On a bien chauffé. 1, 2, 3.
Allez, on arrive. Ah, ça me dégoûte. Essaye de me finir entre les deux. Ça a marché. Non, mais arrête. Ok, ça va, ça va. Marine a un défi pour moi. C'est audacieux. Viens mettre ça dans. Non, fais pas ça. Non. Et après. Non. Elle enchaîne les trucs impossibles. Deux fois, trois fois, ok. Bien sûr. Mais il est horrible ce move là. Allez, bon courage. Tu veux que je meure ou quoi? C'était quoi ça? Autorise-moi les preps, je t'en supplie. Tu nous as autorisé aucune prep. Mais il faut la souplesse pour ça. Fais gaffe à toi quand même. Ouais, fais gaffe à toi, vas-y. Non, ça me fait trop peur. C'est horrible, putain de merde. Pourquoi je fais ça? Fais gaffe, frappe, hein. Faut que tu te relaxes. Mais oui, je suis relaxé, relaxe-toi, relaxe-toi, fais confiance au grip. Oh mais putain. Je prends un gage. Je peux pas faire ça, je te jure. J'ai pas envie de faire là, en fait, là. J'ai pas envie de faire ça direct avec un vide mortel derrière. Ça me stresse, mais d'une force. Et là, tends bien tes bras, Rémi. Voilà. Ah, il a voulu montrer que c'était plus fort que moi, mais bon, c'est pas une compétition. En l'occurrence. Ok, bon, tu me donnes envie de réessayer, quand même. Tu me donnes envie de réessayer. Putain de merde. Ah, c'est horrible. La mixture. La mixture, ils vont créer un truc dégueulasse que je vais devoir boire et je saurais pas ce qu'il y a dedans. Ils vont mettre un œuf cru là, j'en suis sûr. Tout d'abord, ce matin, j'ai bu mon café mais il restait un petit peu de marre au fond donc je l'ai pas fini. Une croquette. Celle-ci sera parfaite. De la marre de café. Pour rehausser le goût, on peut mettre un peu de magie ici, quelques gouttes. Ce balsamique, ça c'est très important. 3 gouttes. Ok, on met un peu plus. Voilà, pas plus. Ensuite, de l'huile d'olive pour les bons lipides. Un peu d'aioli, voilà. Pour l'œuf qu'on est en train de rajouter, je tiens à expliquer quelque chose. Ça faisait partie des potentiels gages et on s'est tous réunis pour dire qu'on voulait pas faire ça, donc on l'a enlevé. Sauf que Raph, pour lui, c'était une très bonne idée de gage. Pas de risque de salmonelle, évidemment. Donc il avait l'air déterminé à manger un œuf. On va gentiment lui en mettre un. Il a chiqué du thé vert. Est-ce que t'es prêt? Non. Ça a une bonne odeur. Ça fait penser, tu sais, les magasins bio là. On dirait qu'il y a de l'ail, de l'huile, de la sauce magie. Il connaît bien son placard. Tu hésites beaucoup là. Ouais, j'hésite beaucoup. Ouais. Et du coup, je dois mâcher. Peut-être. Pas forcément. C'est pas forcément. Normalement, non. Normalement, non. Ça doit être bien. Oh, il mâche. C'était une croquette ou un pépin que t'as craché? Ah, mais crache beaucoup de choses. Mais je crache les morceaux quoi. Ah, ça s'écoute. Il y a la croquette. Oui, il y en a une seule. Donc, ce qui est noir, c'est de la croquette. Non. J'ai un goût de croquette. Allez, c'est fini. Oh non, j'ai peur. Non, ça dégoûte. Ah, ça a pas l'air très bon. Ah, ah, ça dégoûte. C'est bon, arrête après. Vas-y, bon, j'arrête. Non, j'arrête pas. Le reste, c'est que les morceaux, je mangerai pas les morceaux. Maintenant, dites-moi ce qu'il y a dedans. Un œuf cru. Ah, il y a un œuf. J'avais oublié. Ouais, il y a un œuf dedans. Eh ben, voyez, je suis pas mort. Le défi que je vais proposer à la familia, le side press de ce mur-là, à celui-là là-bas. Et déjà, je vais le tenter. Et si je l'exécute, bah, ce sera à quelqu'un d'autre de le faire. Ou pas, sinon, c'est un gage. Ça fait flipper. Bon, on autorise les preps dans les sauts qui est un peu dangereux comme ça. Le but n'est pas de se blesser, donc on a le droit de faire 2-3 preps, se mettre en confiance. Je crois que je vais l'envoyer. De toute façon, là, c'est un engagement, c'est un peu, ça me fait penser à celui d'hier. En moins pire quand même, le celui d'hier était pire. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est que l'engagement là. Je sais que j'ai les capacités. Il y a que Alex qui est en capacité de le faire. Donc si quelqu'un l'engage, ce serait Alex. Après, à lui de voir s'il le fait ou pas. Le but, c'est de ne pas mourir. On n'a pas le même sens de side aussi. Ça complexifie pas mal les choses. Oui, magnifique. Trop clean. Très chaud. Bravo. Un peu surpoussé. C'était bien. Tu te sens comment du coup? Très très mal. T'autorises des preps. T'es dessus. T'as atterri vraiment là. C'est le scotch ta limite? Ouais. Ah ouais, t'as atterri derrière. Ouais. Le setup est vraiment horrible, ça ne se voit pas hein. Sur la caméra. T'as une courbe plus un petit vide à sauter. C'est pas très agréable. Je déteste la config. Rationnellement, je pense que ça va dessus. Je suis pas en confiance pour autant. Ouais, je vais le faire, c'est bon. Il annonce, il va l'envoyer. Allez, le viking. Easy. Yes. Oh, ça fait
fait peur, nom de Dieu. Je te déteste. Fond. J'ai eu très très peur, la courbe elle m'a emmerdé. Moi je pensais vous filer un gage, ben du coup non. Ok, alors on était en train de marcher pour aller au prochain spot et j'ai trouvé un défi qui a l'air très très chiant. Drop 180 sur cette plateforme et directement pop backflip. Le 180 il fait chier, on va être honnête. Il y a de grandes chances que les tibias, le genou tape le mur. On n'a pas le droit de tester la plateforme en sautant dessus, mais je vais quand même aller toucher la matière pour voir si ça glisse pas trop. C'est du solide. C'est effrayant. Faire gaffe aux genoux contre le mur et c'est le seul danger je pense. Ou ta pointe rate le mur et tu fais un tibia et derrière tu veux engager le backflip et tu fais un gros scorpion. Ok, il va envoyer. Ouais. Sur le mur, ouais. Non, non. La familia est contente. C'est moi qui suis pas content. J'ai mis les belles pointes en plus, hein. C'est typiquement le genre de défi qui me fait un peu peur. Oh putain, il n'y a pas ça. Oh, putain. Il me reste encore un try. Oh putain de merde. Ah putain de merde. Allez, fais chier, j'ai mis les mains. C'est horrible. T'as cerné les défis qui me font perdre, ça c'est le genre de défi. Ah. T'as qu'une envie, c'est que tu mets tes mains là, quoi. Toi, t'as osé bien atterrir pointe en plus. J'ai atterri genre comme ça. Et du coup, je me sentais vachement proche du mur. J'étais pas en arrière. Par réflexe, je pose mes mains. Là, j'ai une sorte de frustration là. Et c'est mérité. Il reste 3 défis. Ah, t'es. Vas-y. T'en rêvais en vrai. Vraiment pas. Allez hop, piment pour ma gueule. Pimiento picante rojo. Rojo. J'ai pris le pain au cas où. C'est parti. Oh, ça va? Il se régale en fait, c'est un énorme mytho. Ah, hier soir, ça va alors, ça... Attends, quand je respire, quand je souffle, ça brûle. Là c'est la pote d'Alexandre, qui con va. Pour l'occasion, je t'accompagne mec. Il va m'accompagner. Ça donnerait presque en le entier. C'est mes hémorroïdes qui vont me remercier. Mais j'en ai pas, mais je vais, ça ne saurait tarder. Ça pique. Prochain défi. Le soleil se couche, on vient de changer de spot. Donc là on va charbonner, dernier challenge. Et j'en ai un saut de détente. Je vais voir si je le stick, ça m'étonnerait. Cette petite pierre qui bouge là. Au mur qu'il y a tout là-bas, 15 pieds. Avec une petite montée. Enjoy, je l'ai pas. Allez hop, ça part. Trop clean. Easy. Putain, c'était smooth l'atterrissage. Ouais, carrément. Cool. Nice. J'ai droit de faire encore 2 essais stick. T'auras 3 essais pour stick. Oh. Ah. Dernier try. Let's go. Allez, t'as 3 essais pour stick ça. Ah, je suis content. Ah, le plaisir. Alex va se lancer, il a 3 essais pour stick. Oh. Il a bounce back. Oh, fuck. Il reste encore un essai. Ah, bon ben on a un gage, désolé. Il va le refaire pour la frime, mais ils ont le gage. La familia a le gage, et c'est pas moi cette fois. Oh là là. Putain, en 4ème try. Yes, c'était trop agréable. Mais bon, on a quand même le gage. Je crois que c'est mon moment préféré. Pitié, pas mon prénom. Oh, je croise les doigts. Je prends, je suis là. Désolé Marine, j'ai fait tout ce que j'ai pu. C'est pas grave, on est une famille. C'est antinique, non? Le gâteau. Non, tu fais. Non, j'ai une part de gâteau. Oh, ça va, là. C'est mérité, c'est mérité. Franchement, je me casse le dos pour faire un stick pour qu'elle mange un gâteau. J'ai eu le meilleur défi. Il est horrible. Oh, je suis super gêné maintenant. Je suis gêné. Des... Non, je peux pas regarder ça. Oh, horrible. C'est horrible, hein. Bon, il fait ça. Allez, next, next. Voilà, clairement il fait nuit là, on est un peu tous fatigués de la journée, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais devoir stick un tic-tac de là à là, first try. Noémie a très mal au poignet, donc du coup elle peut rien faire en fait, que des sauts de détente, que des tic-tac, que des trucs un peu techniques. Oui, ça va, le first try. Je stick jamais first try, ça arrive jamais. Et j'ai vraiment eu peur de faire un échec. Bon du coup c'est à moi de proposer un défi, et là je suis content. Double saut de chat, 2 pieds sur le mur, pop side. Double saut de chat. Et ouais. Ça me paraît infaisable, genre inhumain. Pam. Pam. Wow, c'est chaudard, hein. C'est très très chaud. Vas-y, je vais tenter ça. Un gros malade. Yes. Au tour d'Alex d'essayer. Ça va le tibia? Ça a pas touché. Je sentais pas ton truc. Horrible. Horrible. Alors.
C'est pour moi ça, il m'a regardé en premier. Un petit gage pour toi. J'ai échoué lamentablement, je mérite que ça. Ouais. Je vais faire chauffer les cordes vocales et chanter en public. Yeah. Ça me va. Bon, je vais essayer de faire une interprétation majestueuse de My Way, style Elvis Presley. Je me chie dessus globalement. Il va kiffer ce moment, c'est sûr. Place des gens, vraiment. Okay. La marine me propose le dernier défi de la journée, c'est de tenir un one arm. Elle va tenir un maximum de temps. Si je la bats, personne n'a de défi. Si elle me bat, je vais manger encore un défi. Un gage, pas un défi. Ah ouais. Du coup, l'objectif, c'est de la battre en one arm. Allez. T'as tenu trop longtemps. On va regarder la VAR, ça m'étonnerait que je te batte. À partir de 10 secondes, ça commence à être chaud pour moi. Si je dépasse 10 secondes et 50 centièmes, eh ben c'est bon, j'ai pas de gage. Sinon, j'ai un gage, faut pas que je fasse en dessous. Let's go. Chier, putain. Moi je reconnais, c'était pas 10 secondes ça, je reconnais les 10 secondes. C'est pas un 10 secondes. Ouais, c'est pas 10 secondes, là y'a un 8 là. T'y as cru hein, ça partait en couille et tu fais non. Attends, mais... c'est cul rouge ou street show, franchement cul rouge. Aïe aïe aïe. J'ai une pression. Regarde dans l'air quand... Yes! Cul rouge! Je veux pas moins! Cul rouge pour moi, franchement, je suis content. Le dernier, c'était. Bah, il se démerder pour gagner 10 balles. Tout seul, hein, tout seul. Ça aurait été la merde. Je suis soulagé, bizarrement. Du cul rouge, ça me dérange pas. Je baisse le froc. Ah bon? Ah, c'est effrayant! Oh oui! Le penalty! Oh, ça a fouetté! C'est bon. Ça m'apprendra de perdre un stick ou je sais plus ce que j'ai. Oh, t'enculé de merde. Encore. Oh, ça a scalpé. Vous voulez pas que j'essaie de faire un tir sur quelqu'un d'entre vous? Non. Quoi? Qui veut que je tire dans le cul? Bah non. Oh. Sympa ça, la solidarité. Fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment en vrai. Mais oui, non. C'était super. Non, c'était nul. C'était très cool. Si cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires, ce sera avec un grand plaisir que tout le monde, avec grand plaisir, voudrait refaire ce concept. Fera le concept. Et voilà, ben je vous laisse sur ces images et lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous et ciao ciao, à très très vite pour une nouvelle vidéo. Why you don't try just to jump here like this? And then just jump here. Oh, 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 oh.